je m'appelle Robert Clermont. Moi, j'ai fait à peu près toutes sortes de jobs dans ma vie. C'est vrai que lorsque j'étais jeune, ma vision le permettait également. Et j'ai travaillé dans le bois, j'ai travaillé dans la construction, j'ai travaillé sur un golf. J'ai également travaillé dans un bureau pendant de nombreuses années. Chose qui va de vrai en principe, je ne renverserai pas. Et voilà. Bon, mais maintenant que je me suis présenté, que vous me connaissez, je vais prendre la liberté de vous emmener visiter quelques-uns de mes amis qui sont des personnes handicapées usuelles, des personnes aveugles, qui sont également membres du regroupement des handicapés visuels des Laurentides, le RHGL, qui est le seul organisme qui rend des services directs aux personnes handicapées visuelles à travers le vaste ou, si vous préférez, le petit territoire des Laurentides. Vous allez rencontrer une gentille demoiselle qui va nous concocter un bon dîner. Toute ta nourriture est dans le micro-ondes ou si tu utilises ton poêle, ton four? Vous allez également rencontrer deux personnes handicapées visuelles, dont une personne utilise un chien guide pour ses déplacements, l'autre utilise la canne blanche. Un couple de personnes handicapées visuelles, dont une des deux est une personne non-voyante. Totalement. Avec l'avènement de l'informatique, tout ça, les personnes handicapées usuelles, les personnes aveugles, on est tous en mesure de travailler à peu près comme tout le monde. Regardez cette vidéo, s'il vous plaît, jusqu'au bout, car ne craignez rien. Le handicap visuel ne s'attrape pas ni par la parole, ni par le toucher. Nous quittons maintenant pour aller chez Louise qui va nous concocter un très bon dîner.